on est en dessous. Là, on a ça, et venez voir encore. On est carrément dessous la fuite. Regardez, c'est nouveau ça. Ça commence à s'écarter là. Regardez, ça commence à s'écarter tout ça. C'était pas ça. Ça, c'était pas tout ça. Et là, c'est même fleuri. Et si vous mettez la main, vous avez de la chaleur qui monte. Regardez, ça ne devrait pas être ça, c'est parce qu'il y a une fuite. Même le sol, il est remonté. Il remonte de jour en jour, il remonte leur sol. Et c'est pas fini. Quand on rentre dans le bâtiment, vous l'avez vu ? Ils sont trempés, ils sont humides. On descend comme ça, c'est des vides sanitaires. Tu sens la chaleur? Tu sens la chaleur toi? Là, en dessous du bâtiment. Ouais, c'est pas mal. 59. Et là, je vais te faire montrer qu'il y a une grosse fuite d'eau. C'est trempé. C'est trempé. On n'arrête pas de les avertir que c'est trempé, qu'il y a des fuites. Ils sont bons pour faire des colis avec un pistolet. Ils ne pensent pas que nous, on habite au-dessus. Si on descend, je vois que c'est trempé. Viens voir. Tu peux t'avancer. Tu entends? Tu entends la rivière? Tu peux descendre, filmer? Coule par là, ce côté. On se croirait à la piscine. Et tu peux le confirmer qu'on est bien en bâtiment 59. Et après, on parle de légionnaire. On n'est pas capable de finir la fuite. La fuite, ça dure depuis 2018. Parce que tous les bailleurs nous cachent. Les bailleurs nous cachent tout ça. Alors dans ce bâtiment, déjà ils se plaignent qu'il y a des trous chez eux, ils pensent que le bâtiment a bougé, il y a des fissures. Voilà. Tu vois forcément de ce temps-là? Tu le vois, la débarcation. Et quand tu touches le mur,
Il est trempé. Il y avait eu un rapport en 2015. Il était venu un monsieur, il était mandaté par le GIREM. Il était venu justement pour une expertise dans ce bâtiment. Et il avait dit que le bâtiment était individuel. Et à l'heure actuelle, ils l'ont mis dans les oubliettes. Alors moi, je demande que ce rapport sorte à la surface parce qu'on est inquiet. Alors tout ça, on surveille. Alors quand on voit tout ça, c'est plus que remonter à la surface qu'on ne devrait pas voir. Comme tu le vois toi-même, c'est laissé à l'abandon. Et là, suivant, on voit encore une autre fuite d'eau qui est aussi abandonnée. Et qui sont au courant parce qu'on les a alertés. Ils ont même constaté, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui se fait. Alors nous, on est à ras-le-bol de tout ça. Dans les bâtiments 38, on a une chambre là. Si tu t'abaisses, tu mets ton micro, tu entends la rivière. Tu entends le bruit? Et ça fait des mois que ça coule, hein? Et ça fait des mois qu'on a signalé. Quand tu entends la fuite, tu peux aller voir. Là aussi. Ça coule. Pourtant, ils ont fait des travaux, mais c'est toujours pareil. J'entends l'eau. Tu rentres? Oui. Passe la caméra. Ici. C'est bon. Et si tu l'as posé, il y a des habitations, la dame est carrément dans sa chambre. Ça fait des mois et des mois la porte, ça coule. Et pour résoudre dernièrement des travaux, mais je pense que les travaux ne servent à rien. C'est bien sûr, comme on dit chez nous, tu auras plus sur l'âge. Mettez-vous au travail, le travail est maquillé. C'est bon? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, fort. Oh, oui.